has ravaged farms, decimated wild birds, and spilled onto mammals. Can the avian flu spark the next human pandemic? Scientists are taking no chances tracking the virus to predict where it could strike next. Nous sommes dans une des zones où on produit beaucoup de canards. Nous sommes éleveurs, caveurs et conserveurs de canards crabes. Depuis quelques années, il y a une chose qui s'appelle la grippe aviaire qui sévit en France, mais pas seulement qu'en France, et qui entraîne une très forte mortalité de nos animaux quand on est touché. Les canards est une des espèces les plus sensibles à la grippe aviaire. En temps normal, les canards sont en extérieur, ils se promènent dans les champs, dans les prés, ce qui n'est pas le cas actuellement puisque c'est 100% de leur temps en confinement. C'est quelque chose de difficile à vivre pour eux et pour nous. Certains loups ne verront jamais le jour ni jamais le soleil. Les animaux confinés vont se développer moins vite, moins bien, donc il y aura une perte en production au final, c'est-à-dire moins de viande, moins de foie gras. Cette grippe aviaire, ça reste une menace pour nous, même si on n'y est pas confronté directement, parce qu'on n'est pas au risque que ça arrive, qu'on soit obligé d'abattre nos canards. Il y a une gestion des élevages contaminés qui me paraît excessive, c'est-à-dire un élevage dans lequel on va trouver des animaux contaminés. L'élevage va être systématiquement abattu et on va aussi faire des dépeuplements 3 km autour de l'élevage, c'est-à-dire qu'on tue des dizaines, des centaines, des milliers, des millions d'animaux qui sont sains. Moi, ça me paraît une aberration totale, ce type de gestion. Ça pose vraiment beaucoup, beaucoup de soucis pour l'avenir. Après, si la seule solution, c'est la vaccination, moi, je suis totalement pour. Je vaccine mes canards et ils passent leur vie en extérieur, dans les prés, et ils sont beaucoup plus heureux. This highly infectious strain of bird flu has been ripping through farms for a number of years now. Influenza A, also known as H5N1, was first detected at a goose farm in China in 1996. It can spread through entire flocks of birds through the animal's droppings and saliva. It's the fourth wave of avian influenza to grip Europe since 2015 and its worst outbreak on record, with nearly 50 million poultry culled in 2022, 16 million in France alone, one of the countries hit hardest by the disease. The way the disease is expanding has also set off alarm bells. It usually flares up in autumn before fading away in spring and summer. This outbreak, though, has defied all seasons. But what really has scientists concerned is the flu's pandemic potential, as infections have been reported across a wide spectrum of birds and other species, including mammals. There's one question on everyone's mind. What about human transmission? So far, H5N1 is a low risk to humans, but authorities are on high alert. The more it continues to spread, the greater the chances it may evolve. Every mutation is now being watched closely to avoid this scenario. Dans le laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire. Nous sommes là pour faire le diagnostic officiel et dire si oui ou non c'est bien de l'influenza aviaire et quel est le virus qui provoque cette infection chez l'oiseau. Donc depuis août 2022, on a recensé un peu plus de 300 foyers en élevage. C'est énorme parce que la saison n'est pas encore terminée. Il faut aller jusqu'au mois de juillet de 2023 pour savoir l'ensemble des foyers qu'on pourra avoir cette année. Si on se réfère à l'année précédente, où on a eu à peu près de 1400 foyers en élevage, et donc c'est sans précédent, c'est trois fois plus que les épizooties précédentes.
dès qu'on suspecte de l'influenza aviaire dans un élevage ou chez des oiseaux sauvages. Donc des prélèvements sont faits, ce sont des écouvillons, un peu comme ce qu'on peut voir pour le Covid. Et nous affinons pour savoir quel est le virus qui est présent. Donc actuellement, on recherche en premier lieu si c'est un H5N1 hautement pathogène et on prévient dans ce cas-là directement les autorités pour dire si c'est positif. Le virus qui circule actuellement, pour l'instant, c'est un virus qui est aviaire, mais on essaye de surveiller sa transmission chez d'autres espèces animales, chez des mammifères notamment. Dernièrement, en France, on a eu la détection d'un cas chez un chat domestique. Et ce qu'on a pu constater, par exemple, c'est que seulement une multiplication chez ce chat a permis d'avoir les mutations qui permettent de favoriser la transmission chez les mammifères. Par rapport à ce qu'on a pu voir avec le Covid-19, c'est un petit peu différent. C'est qu'on sait faire les vaccins contre l'influenza. La difficulté quand même avec ces virus-là, c'est qu'ils peuvent se transmettre très vite. On a potentiellement un virus qui n'a jamais été rencontré par l'homme et donc on aurait une épidémie sans précédent et auquel il faudrait faire face rapidement, même si on a la disponibilité de vaccins et de moyens thérapeutiques. Scientists have been taken aback by the magnitude of this outbreak, mostly because wild birds have been hit hard. They're known to be the hosts and transmitters of the disease, but now they've also become the latest victims. C'est pas nouveau que la faune sauvage soit concernée par la grippe aviaire. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur du phénomène. Le virus est de plus en plus fort. Avant, les oiseaux sauvages étaient touchés par le virus, mouraient, avec une toute petite proportion. Et puis ensuite, il n'y avait pas de contamination. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que le virus tue les oiseaux, mais surtout, il résiste et se disperse. Ici en France, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait deux grands groupes d'oiseaux qui ont été touchés. D'abord les rapaces et en particulier les vautours, ce qui est exceptionnel, il n'y avait jamais eu de vautours au niveau mondial qui étaient contaminés par la grippe aviaire. Il y a les oiseaux marins, c'est la première fois aussi que les oiseaux marins et notamment les fous de bassin sont touchés à ce point. On estime que 40% au moins des adultes sont morts et au moins 90% des poussins. Donc vous voyez, en une seule crise, on a perdu plusieurs milliers, dizaines de milliers d'oiseaux et on va avoir beaucoup de mal à ce que la population se relance. Nous sommes sur la région parisienne, à 20 km de Paris, au sud. On arrive aujourd'hui à peu près à 1400 oiseaux morts en 3 semaines à peu près, donc ce qui est quand même énorme. On est obligé de prendre notre bateau régulièrement, si vous voulez, à peu près tous les 2 jours pour pouvoir constater le taux de mortalité sur les lacs. C'est une pandémie et on ne pensait pas qu'on allait arriver à ce taux-là. On est sur des mouettrieuses essentiellement. On a eu des goélands, un canard, un cygne hier et également une poule d'eau. Une fois que les oiseaux sont ramassés la journée, on est obligé de les mettre dans un congélateur qui nous permet d'accueillir environ 270 mouettrieuses. Mais aujourd'hui, si vous voulez, notre congélateur avec un passage d'écarissage une fois à la semaine ne suffit plus. Aujourd'hui, pour moi, effectivement, c'est du jamais vu. On se demande quelles vont être les espèces de la faune sauvage qui vont être les prochaines victimes. Et évidemment, on a très inquiet sur des espèces qui sont déjà en danger d'extinction et que la grippe aviaire se fixe sur ces espèces. On est aujourd'hui dans une situation qui nous amène à faire le constat qu'on n'arrive pas à contrôler l'infection sans recours à la vaccination. Une de mes missions aujourd'hui, c'est de piloter les essais de vaccination
permettront, on l'espère, la mise en œuvre de la vaccination dans ces élevages dans les prochains mois. L'objectif qui est fixé, c'est septembre 2023. Donc il y a des vraies exploitations qui sont partenaires et dans lesquelles on a testé les deux solutions vaccinales. Ces animaux ont été suivis, ils ont été prélevés régulièrement par des écouvillons et des prises de sang tout le long de leur vie pour détecter les anticorps. Et on a en parallèle fait des tests moléculaires pour vérifier qu'il n'y avait pas de circulation de virus dans ces troupeaux vaccinés. On a des gens qui vont travailler en pathologie, c'est-à-dire qu'ils vont étudier les lésions et la distribution du virus dans les organes des oiseaux qui sont infectés, pour là encore essayer de comprendre quelles sont les voies d'infection et de dissémination du virus. On sait en France que les palmipèdes, les canards, jouent un rôle prépondérant dans ce qu'on appelle la dynamique d'infection. Ce qui veut dire que si on arrive à contrôler l'infection chez le canard, on pense qu'on gagne une grande partie du contrôle de la maladie. Les collègues néerlandais ont mis un focus sur la poule, les collègues italiens sur la dinde. Et l'idée, c'est qu'on mette en commun les données et faire en sorte qu'à l'échelle européenne, on arrive à contrôler sur l'ensemble des volailles concernées l'infection via la vaccination. Un des enjeux essentiels dans la vaccination influenza, c'est d'être en mesure de certifier que les animaux qui sont vaccinés ne sont pas porteurs sains, on va dire, de virus à bas bruit. Il y a une certaine réticence et une certaine méfiance à l'échelle internationale. Je pense qu'aujourd'hui, on dépasse cette discussion puisqu'on voit bien que la nature du risque a changé et que nous n'avons en fait pas trop le choix. Donc il n'y a pas une solution miracle et la vaccination ne sera pas la solution miracle. Mais ça peut être un outil très important si elle arrive à le combiner intelligemment aux autres outils, notamment l'hygiène et la surveillance.